TVI. Welkom voor het nationale debat, le débat national. De confrontatie tussen de leiders van de twee grootste partijen van ons land over de toekomst van ons land. Het zal er hard aan toe gaan. En ik mag het modereren samen met mijn collega van RTL TVI, Laurent Olot. Bonsoir Steph, bonsoir à toutes et à tous. Deux hommes sont dans les coulisses. Ils attendent de débattre, nous attendons d'en découdre. Bart De Wever, le président de la NVA. Et face à lui, Paul Magnette, le président du Parti socialiste. Deux hommes, deux partis que tout oppose. Ce soir, nous allons assister à une véritable confrontation d'idées, peut-être à un choc des cultures. Nous allons savoir si ces deux partis sont capables de s'entendre après les élections ou si la Belgique prend le risque d'une nouvelle crise interminable. Ja, Bart De Wever en Paul Magnette, ze zijn natuurlijk wereldberoemd in hun landsdeel en ze zijn ook superpopulair in hun landsdeel. Maar dat is soms een beetje minder in het andere landsdeel. Dus zijn wij hen gaan opzoeken om hen toch een beetje beter te leren kennen. Hey Laurent. Hey Stef, ça va? Ça va? Oui. Alles goed? Oui, tout va bien. C'est un endroit un peu spécial pour se rencontrer ici. Het is een symbolische plek natuurlijk. Dit is het aan de grens. Kijk, voilà, daar. Dat is Overijssel. En daar Wallonië dus. Hey, Wavre, Rosière. Dus daar denken ze eigenlijk dat Bart De Wever de duivel is. En là-bas, Paul Magnette, on ne sait pas très bien qui c'est. Connais pas. Ouais, dus ga ik nu naar Charleroi? Moi, je vais à Anvers pour mieux connaître le diable. Veel plezier. Bonne route. Meneer de burgemeester. Goedemorgen. Goedemorgen. Aangenaam. Dank u. Welkom in Charleroi. Charleroi is een stad waar Vlamingen vaak eigenlijk geen al te hoge dunk van hebben. Hè? Dat ze denken van dat is het archetype van de Waalse stad, ja, in verval, oude industrie. Ik ben ervan bewust, maar het is een heel vriendelijk stad. Uiteraard zijn er, weten wij dat veel dingen moeten hier gebeuren. De stad moet hernieuwd worden. Mm. We werken heel hard aan een nieuwe dynamiek om jobs te creëren. Is dat hier het proefproject voor het PS-model, zoals Bart De Wever dan zegt? Als wij het hier kunnen doen, kunnen wij het overal doen. Laat de stad maar eens zien dan. Voilà. Bonjour, monsieur De Wever. Bienvenue à Anvers. Merci, merci de m'accueillir. C'est surtout un bel endroit. On est bien content de notre grande place, oui. Est-ce que vous accepteriez d'être mon guide? Ah oui, on va faire un petit tour en vélo. Hein. Ok, on est parti. Ou à vélo, est-ce qu'on dit? À vélo. Ouais, en vélo, à vélo. Het is de opening van een skydiving, een zeer innovatief bedrijf. En, er zijn er maar 9 in Europa. Dat is het nieuwe Charleroi. Dat is een deel van het nieuwe Charleroi, inderdaad. Hier was er 20 jaar geleden niks. Het was een patatenveld. Maar ik hoor wel dat het bedrijf van een Antwerpenaar is. Hè? Een Antwerpenaar en een Carolo, die het samen gesticht hebben. Dat moet kunnen. Voilà. Les gens en Anvers ont l'habitude de vous voir rouler à vélo comme ça? Oui, je l'utilise mon vélo. C'est vraiment le vélo officiel du bourgmestre. J'ai pas de voiture. C'est votre voiture de fonction? Oui, en fait. Est-ce que vous avez conscience, pour beaucoup de francophones, vous êtes perçu comme quelqu'un d'assez piquant? Oui, je sais. Mais allez, je joue un peu le rôle de bouc émissaire en Wallonie. Hein. C'est l'image que vous aimez donner? Disons que je m'en fais pas. Zeg, hoe kijkt u tegen het debat aan eigenlijk? Met het debat heb ik geen probleem. Het is mijn job. Ik ben een professioneel politicus, maar ik ben geen... Maar wel stevig met de twee voeten op de grond. De twee voeten op de grond is beter. Alors, quelle sera votre arme secrète contre Paul Magnette? Malheureusement, j'ai pas d'arme secrète, mais parfois il m'arrive pendant un débat de poser une question surprenante à mon adversaire et peut-être je vais trouver une question comme ça de nouveau. On verra bien. Eh bien, on ne demande qu'à voir. Succès, santé. Santé à vous. Ce soir sur RTL TV et VTM, le débat national Paul Magnette, Bart De Wever, un débat en public. Je salue et je remercie ce public d'être présent. Il y a 250 personnes, la moitié est flamande, l'autre moitié est francophone. Et dans ce public, à parts égales, 40 pour chaque parti, des partisans du Parti Socialiste et des partisans de la NVA. Ja, hier zal het dus inderdaad gebeuren, wij noemen het graag. Onze arena, 250 mensen, Vlamingen en Franstaligen. Mensen die vragen gesteld hebben, die er graag bij wilden zijn met hele concrete vragen voor de politici. Dit wordt de arena van het nationale debat. En ik roep in die arena
Ten eerste Paul Magnet, de voorzitter van de PS en dus de machtigste man van Wallonië. Welkom. Bienvenue, monsieur Magnet. Face à vous ce soir, le président de la NVA, celui qui parfois effraie les francophones, Bart De Wever. Voilà, alles staat klaar voor het nationale debat. De tenoren staan klaar. We moeten natuurlijk wel eerst een paar afspraken maken, want het is natuurlijk een speciaal debat. U hebt het al gemerkt, het is een tweetalig debat. Dat is nu eenmaal zo in dit merkwaardige land. En de afspraak die we hebben gemaakt is, iedereen spreekt zijn eigen taal. We verstaan elkaar natuurlijk perfect in de andere landstaal, maar het is toch zo makkelijk en zo comfortabel als iedereen in zijn eigen taal kan debatteren. Dus zo gaan we het doen. Et le débat sera évidemment sous-titré pour votre parfaite compréhension. Autre règle importante de ce débat, le temps de parole que nous allons chronométrer. Nous avons attribué 20 minutes de temps de parole à chacun de nos invités. Nous ferons référence régulièrement à ce chronomètre. Et pour que vous compreniez bien comment cela fonctionne, une première question tout de suite, elle sera la même pour nos deux invités. Le tirage au sort a désigné Bart De Wever pour répondre en premier. Et monsieur De Wever, je vais vous demander simplement, quel est pour vous l'enjeu majeur de ces élections du 25 mai ? Het is de keuze tussen het N-VA-model en het PS-model. Dat is de inzet van deze verkiezingen voor mij. Het ene is besparen, het andere is belasten. Het ene is een strikter migratiebeleid, het andere is meer open grenzen, strengere justitie versus toch laxere justitie. Die keuze moet gemaakt worden. Is het de N-VA die de leiding neemt of nog eens de PS? Goed, bijna 20 seconden van u. Tijd opgebruikt, dezelfde. Zo weet iedereen tenminste hoe het marcheert. En dat is de bedoeling hiervan natuurlijk ook. Meneer Magnet, voor u dezelfde vraag. Wat is voor u de inzet van deze verkiezingen? Je suis heureux que ce débat ait lieu d'abord, parce que justement, on va enfin pouvoir démontrer ce soir que ce n'est pas le choix entre le modèle NVA, la NVA ne parle pas pour toute la Flandre, et le modèle PS, mais entre deux choix de société différents. On sort tout doucement de la crise économique, la prospérité revient, la question c'est qui va en profiter ? Est-ce que ce sont quelques nantis, comme la droite le voudrait, ou est-ce que c'est le grand nombre et la majeure partie de notre population ? C'est ça le vrai enjeu, c'est un enjeu de société, ça n'est pas un problème Nord-Sud. De maatschappijvisies die tegenover elkaar staan, daar zal u ongetwijfeld ook niet mee oneens zijn, meneer De Wever. Voilà, zo hebt u allemaal door hoe het werkt. Van zodra iemand spreekt, gaat er tijd af van die 20 minuten die u had. En voilà. Wij gaan niet heel de tijd vragen stellen. Dat laten we veel liever over aan de Vlamingen en Franstaligen die vanavond bij ons zijn. Mensen die ons geschreven hadden, die heel concrete vragen hadden voor Bart De Wever en Paul Magnet. En de eerste die zo'n vraag kan stellen, is Tim uit Temse. Mijn naam is Tim, ik ben 23 jaar en mijn vriendin heeft me zo pas ten huwelijk gevraagd. We zijn nu officieel verloofd en we zouden graag op onze eigen benen willen staan. Zoals vele Vlamingen hebben we echt wel een baksteen in onze maag en willen we graag zelf ons eigen droomhuis gaan bouwen. We willen echt een plekje worden dat we ons thuis gaan voelen en waar dat we echt een gezinnetje kunnen starten. Tim droomt van trouwen, huisje, tuintje. Tim, stel je vraag. Ja, dag meneer Magnet. Ja. Mijn vraag is eigenlijk als volgt. Wij hebben als gewone burger tijdens de bankencrisis de banken moeten redden. En nu kunnen wij als gewone jongeren niet meer aan een lening geraken. Daarom ik maak me er echt zorgen in. En zonder financiële steun gaat dat tegenwoordig niet meer. En wat kan u daaraan doen? C'est une très bonne question et c'est d'ailleurs une question qui se pose dans les trois régions du pays, aussi bien en Flandre qu'en Wallonie et à Bruxelles, parce que les jeunes qui ont la chance d'avoir des parents qui ont pu mettre pour eux de côté 30 ou 50 000 euros vont effectivement pouvoir s'acheter leur appartement ou leur maison. Les autres auront beaucoup de mal. C'est pour ça que nous proposons par exemple un système de location-acquisition qui permet à des jeunes de louer pendant un certain nombre d'années et que le montant des loyers qu'ils ont payés, eh bien, il soit déduit du prix d'achat après 4 ou 5 ans s'ils souhaitent acheter cette maison et cet appartement. Ça permet à tous les jeunes, même s'ils n'ont pas de privilèges à la base, d'accéder à la propriété et de construire leur bonheur dans leur appartement ou leur maison. Monsieur De Wever, quelle est votre position sur cette question ? De quelle manière la NVA va pouvoir donner de l'espoir aux jeunes générations qui ont les mêmes rêves que ceux qu'ont eu leurs parents ou leurs grands-parents ? Ja, we weten dat de banken veel strenger zijn geworden door de bankencrisis. Hè. Slechte hypotheken is het begin geweest van een financiële crisis en de Nationale Bank verplicht hen nu
om strenger te zijn. En de regering heeft ook taksen op de banken gegeven die spijtig genoeg vooral de depositobanken treffen en niet de systeembanken. Hè? Dus degene die de crisis hebben veroorzaakt. Dus dat is jammer. Wij hebben in Vlaanderen het volume aan sociale leningen verdubbeld deze legislatuur. 1,3 miljard geeft Vlaanderen aan mensen die moeilijk aan een lening geraken. Maar het echte antwoord is natuurlijk dat we moeten aanknopen bij een goed economisch klimaat, bij economische groei. Mensen die netto meer kunnen verdienen, minder belastingen betalen, netto meer overhouden. En dan kan je natuurlijk aan een lening geraken. Ja. Het is niet de staat die het zal moeten oplossen, het zal van onze economie moeten komen. Ja, Tim, Pomaniat zegt een soort van huurkoopsysteem. En Bart Wever zegt, ja, de economie zal om te beginnen moeten aantrekken. Welk antwoord staat jou het meest aan? Ik denk inderdaad dat we onze economie moeten gaan investeren. Ja. Mm. Monsieur de Wever, vous venez de parler de créer les conditions de la croissance. Est-ce que vous pensez que le Parti Socialiste est un frein à la croissance? Ik heb vorige keer aan meneer Mayet gevraagd op zijn 500 bladzijden programma waarom er niks staat over het budget. En ik dacht, sindsdien zal die daar onmiddellijk aan beginnen en die gaat een prachtig antwoord hebben, maar ik heb nog altijd niks gevonden op de website, niks in de folders. Dus mijn vraag blijft, als Europa zegt, we moeten 13 miljard doen en de PS stelt in zijn programma 7 miljard nieuwe sociale uitgaven, dat is 20 miljard. Kan u nu eens zeggen, wat zijn de drie belangrijkste maatregelen die de PS wil nemen om die 20 miljard toe te rijden of gaan we eeuwig schulden blijven opbouwen? La différence entre M. de Wever et moi, c'est que vous vous en parlez et nous, nous l'avons fait. On a fait 22 milliards d'équilibre financier. 22 milliards d'équilibre financier, la moitié en réduisant les dépenses. Mais c'est vrai, en ciblant sur des dépenses qui ne font pas mal aux citoyens. Vous vous dites, on veut faire mal aux citoyens. En fait, on y reviendra dans le débat. Vous voulez faire mal aux classes moyennes et aux citoyens les plus vulnérables. Moi, je dis, je ne veux pas qu'on fasse mal aux citoyens. Et donc, oui, on a réduit la dotation royale, on a réduit le salaire des ministres et des parlementaires, on a fait des réductions dans la défense, dans la politique internationale. Et pour le reste, on est allé chercher des recettes, c'est vrai, mais des recettes qui ne touchaient pas les revenus du travail. On a taxé les banques, c'est vrai, elles étaient responsables de la crise. On a taxé les producteurs nucléaires, c'est vrai, il y avait une rente nucléaire. On a taxé davantage le capital, c'est vrai, c'est une question de justice sociale. Ja. Maar de vraag van meneer De Wever was... U zegt, meneer Magnet, we hebben het al gedaan. Meneer De Wever zegt, ja, er moet nog veel bespaard worden. 10 miljard om de begroting op lange termijn op sporen te houden. Wat gaat u doen? Niet wat hebt u gedaan, wat gaat u doen? Oui, on est bien conscient qu'il reste un effort à faire. La question, c'est comment on le fait. Et moi, je ne veux pas de la politique d'austérité telle qu'elle est dans le programme de la NVA. Parce que la politique d'austérité que propose la NVA, 9 milliards de coupes dans les budgets de la sécurité sociale qui seront payés par les pensionnés, par les travailleurs, par les chômeurs, on y reviendra, ça va être un massacre comme on l'a vu aux Pays-Bas. Les Pays-Bas ont suivi à la lettre la politique de la Commission européenne. Ils sont en récession et le chômage a explosé de 5 à 8%. Cette politique que vous proposez est une politique qui est très mauvaise pour la croissance économique. Monsieur de Wever, monsieur Manet vient de parler d'austérité. On parlait plutôt d'espoir à donner aux jeunes générations. Ja. C'est vrai que vous parlez beaucoup d'économie. Est-ce que c'est l'austérité que vous prenez? Ja, je kan natuurlijk moeilijk anders, maar ik stel vast nog met een gloeiende nijptang kan je de man niet laten zeggen wat hij nu gaat doen eigenlijk, hè, om die 20 miljard te besparen. Er komen terug die... Jongens, dat gaat van mijn tijd af. Hè. Dus die 22 spookmiljarden, allee, we gaan van 13 miljard tekort naar 9 miljard tekort, 4 miljard. Je hebt 8 miljard inkomstenmaatregelen genomen. Je hebt nog een rentemeevaller van 1 miljard per jaar, want de rente is gedaald. Waar is al dat geld naartoe? Als ik u moet volgen, dan zou de overheidsuitgaven 30 miljard gestegen zijn. Des économies, ja, natuurlijk moeten wij gaan besparen. En donnant de l'espoir aux citoyens. En we moeten in de sociale zekerheid ingrijpen. Neem nu de wachtuitkering. He, dus je verlaat de school, je krijgt onmiddellijk een uitkering. Geen enkel buurland doet dat, wij doen dat. Je krijgt onmiddellijk geld, je hebt nog nooit gewerkt. Dat heeft men nu beperkt tot 3 jaar met heel veel uitzonderingen. Wat zegt de PS? Oh, dat moet terug onbeperkt worden. We gaan terug de wachtuitkering onbeperkt maken. Maar ik wil eens vragen, meneer Mayet, weet u hoe oud de oudste schoolverlater met een uitkering is in dit land? Il y en a 4 ou 5 que vous allez trouver dans les statistiques. 4 ou 5 que vous allez trouver dans les statistiques, qui sont des anomalies. Is de oudste schoolverlater 63 jaar met een uitkering. En die gaat binnenkort op pensioen, hè, want die bouwt pensioen richting. Il y en a combien? Je vous renvoie la question, monsieur Le Verre. Combien y en a-t-il? Twee. Voilà. Er zijn er twee. En soi, c'est vraiment une exception qui confirme la règle. Moi, je ne suis pas. Kan er bespaard worden door onregelmatigheden, door misbruik uit het systeem te halen? Mais on a déjà fait pas mal d'économies. On a fait, je vous le rappelle, plus de 10 milliards. Mais il faut les faire de manière intelligente. Aujourd'hui, tous les économistes disent, l'OCDE le dit, le FMI le dit, Paul de Grau, qui est notre économiste le plus renommé sur le plan international, le disent. Il nous faut des économies qui soient intelligentes et ciblées. Si on veut faire de l'austérité, on va plonger notre économie dans la récession, comme l'ont fait les Pays-Bas. Et ce sont encore les travailleurs et les gens qui vivent d'une indemnité qui vont en souffrir. Ça, ça ne vous fait pas peur, évidemment, parce que ce n'est pas ceux-là que vous voulez protéger. Het wordt een sociaal bloedbad en nu gaat de groei eigenlijk meteen kapot maken. We leven in een land waar we de hoogste belastingen ter wereld betalen. Ter wereld, hè. Als je gaat werken,
De cijfers zijn vandaag nog eens verschenen. Duits Bureau voor Statistiek. In de industrie kost een werkuur 42 euro. Dat wil zeggen dat een arbeider in de industrie bij ons 1000 euro per maand duurder is dan een Duitser. Dat is niet China, dat is niet Macedonië, waar ze de bussen nu gaan bouwen. Dat is Duitsland. Vindt u dat dan raar dat er 19.000 jobs in de industrie verdwenen zijn sinds de Rupo aan de macht is? Je kan de realiteit niet blijven ontkennen. Wij zullen de tering naar de nering moeten zetten. Wij zullen de lasten moeten verlagen. Het overheidsbeslag neemt alleen maar toe. En de PS stelt alleen maar nieuwe uitgaven voor. En wat ze dan willen doen om zaken op orde te stellen, Joost mag het weten. Ja, we zullen de tering naar de nering moeten zetten. Maar we zullen daar sterker uitkomen. Goed. Duitsland bewijst het, Scandinavië bewijst het. Nederland zal het binnenkort ook bewijzen. Ja, bespaar of spaarzaam omgaan met de tijd zullen we hier ook moeten doen. Laten we eens kijken naar de tijd die al gebruikt is. Meneer De Wever, u hebt iets meer dan 3 minuten gesproken. Meneer Magnat, u zit aan bijna 3 minuten. We gaan dit eerste thema hier afronden. U kan die tijd natuurlijk strategisch gebruiken, maar let op dat u straks niet met niks meer overblijft. Want we gaan het nog hebben over de toekomst van België natuurlijk. Et au-delà des chiffres et des statistiques, nous avons surtout voulu dans ce débat que le citoyen, que l'électeur soit au centre du jeu, vos préoccupations. Et c'est pourquoi maintenant nous allons accueillir Philippe de Ivoire. Bonjour, je m'appelle Philippe, j'ai 52 ans, je travaille comme gestionnaire de section comprenant 2 écluses sur la Haute-Meuse. J'aime mon travail qui est très varié et j'adore le contact avec la batellerie. Je suis en service depuis 31 ans et petit à petit, je commence à penser à ma retraite. J'espère que mon épouse et moi allons profiter d'une paisible pension. Bonsoir Philippe, merci d'être avec nous. Vous avez une question pour Bart De Wever. Bonjour Monsieur De Wever. Je voudrais savoir la raison pour laquelle la NVA préconise et veut l'arrêt de l'indexation automatique des salaires. Cela n'a pas de sens pour moi, car elle protège le pouvoir d'achat du citoyen. Car elle est liée à l'augmentation du coût de la vie. Ce n'est pas une augmentation de revenus. Alors je ne comprends pas très bien pourquoi est-ce que la NVA veut arrêter cette indexation, qui est très importante pour le citoyen. Ja, dat is natuurlijk een goede vraag, hè, want vele mensen maken zich daar zorgen over. Maar wij willen de index vervangen door een ander mechanisme om de koopkracht te beschermen, zoals dat bijvoorbeeld bestaat in Denemarken. Dat zijn de all-in-akkoorden over lonen en arbeidsvoorwaarden. Je ziet dat die landen veel beter de koopkracht kunnen beschermen, veel flexibeler de jobs kunnen beschermen. Wij hebben geen private jobcreatie. Het aantal jobs in de privé is afgenomen de laatste jaren. En dat is het probleem. U zegt dat u binnenkort van een goed pensioen wil gaan genieten. En ik wens u dat toe. Maar de pensioenuitgaven gaan enorm stijgen. Ze gaan 10% bbp stijgen. Dat wil zeggen 40 miljard euro per jaar gaan we meer moeten opbrengen de komende decennia voor pensioenen. Dat is gigantisch. Dat is, als je nu weet dat de sociale zekerheid 81 miljard is, de helft komt erbij. En wij staan daar, daar komt een tsunami op ons af en we hebben nog geen parapluutje. Er is niks gebeurd om dat voor te bereiden. Dus wij moeten aanknopen bij een klimaat van private jobcreatie. En daarom stellen wij die hervorming voor. Ja, meneer Magnat, NVA zegt die index, of tenminste de indexsprong overslaan, is nodig juist om onze welvaart te beschermen voor de toekomst. C'est à nouveau une politique terriblement antisociale et inefficace. Antisociale parce qu'un saut d'index, c'est 300 euros perdus pour un travailleur, mais pas une fois, tout au long de sa vie. Ça représente sur une carrière complète 15 000 euros. Les 3 sauts d'index de l'époque Martens-Gold, c'est 40 000 euros perdus sur une carrière pour un travailleur. C'est une perte colossale. C'est aussi les pensionnés. On l'a vu ce matin, et M. Johan van der Lanotte l'a démontré. Monsieur De Wever veut aussi faire sauter l'index sur les pensionnés, sauf les plus basses. Mais ça veut dire qu'1 700 000 pensionnés dans ce pays, si le programme de M. De Wever est appliqué, vont perdre 300 euros. Sans compter que par ailleurs, M. De Wever dit un pensionné qui prend sa pension avant 65 ans, il doit avoir un malus. On va y revenir dans un instant. Je voudrais juste me tourner vers Philippe pour savoir, avant de poursuivre, parce que c'est un débat important. D'un quart de la pension, c'est important d'y revenir. Sur le vieillissement de la population. Philippe, rapidement. Oui, c'est ça. En fait, satisfait de les gens de mon âge, je pense qu'on est un petit peu défavorisé maintenant. Je comprends qu'il faut faire des économies, économies, économies. Mais avec la réforme des pensions, la suppression, voire la suppression des pensions de survie, je ne sais pas où ce qu'on va aller. Alors, M. De Wever, M. Magnat et Philippe en parlent. Est-ce que ce saut d'index concerne
tout le monde, c'est-à-dire les salaires, les allocations, les pensions. Où est-ce que vous placez des limites à ça? Ten eerste voorzien we 1,5 miljard om de laagste pensioenen te verhogen tot het Europees minimum. De Rupo heeft dat beloofd, heeft dat niet uitgevoerd. 1,5 miljard erbij. We stellen de laagste pensioenen vrij van de indexsprong. Al de rest maakt een indexsprong, maar je moet een beetje realistisch zijn. De inflatie is nu 65 basispunten. Als je een indexsprong doet, vermindert de inflatie met 1%. Dus dat is de power tool die je nodig hebt. De prijzen stijgen dan ook niet meer. En dan kan je ook de lonen niet laten stijgen. Wij laten dat gepaard gaan met een lastenverlagende personenbelasting. En zo zie je, en de KU Leuven heeft dat ook nagerekend, dat in ons model iedereen erop vooruit gaat. Maar je zal wel iets moeten doen, want die index, meneer Magnet, dat weet u ook, dat is eigenlijk een belastingsverhoging. Als je 100 euro index geeft, dan heb je nog geen 20 euro netto koopkracht. En je moet er 133 voor betalen. Dat is de rekening. We betalen allemaal 50% belastingen. We betalen onze sociale zekerheid, de opcentime van de gemeente, de accijnzen, de BTW. Het is een gigantische belastingsverhoging. Aan het woord aan meneer Magnet. Je kan de koopkracht beter beschermen met lastenverlaging. Het is een verdoken belastingsverhoging eigenlijk, een indexprong. Je sais, c'est le thème que monsieur de Wever place dans toutes ses interviews. C'est totalement faux. Je vous l'ai dit, nous avons taxé les banques, les producteurs nucléaires, le capital pour réduire... l'impôt sur le travail. Et c'est bien de le rappeler, monsieur de Wever, le gouvernement flamand dont vous faites partie a supprimé le job courting. Les travailleurs flamands ont perdu 300 euros grâce à la NVA. Heureusement, le gouvernement du Rupo a rétabli une réduction d'impôt qui a rendu 300 euros aux travailleurs. Je pense que les travailleurs flamands peuvent remercier le gouvernement du Rupo. De PS was razend toen we de jobkorting invoerden. En nu plaat u voor de jobkorting. Nous l'avons fait. Nous avons rendu le pouvoir d'achat aux travailleurs. Laten we misschien even terugkomen op de eerste zorg van Philippe. Want het ging eigenlijk over pensioenen en de hoop. En de vrees vooral eigenlijk dat de pensioenen onbetaalbaar zullen worden. Daar komt inderdaad een tsunami op ons af. Dat kan ook de PS niet ontkennen. En hoe gaan we die betaalbaar houden? La seule solution pour financer non seulement les pensions, mais toute la sécurité sociale. Parce que oui, l'espérance de vie augmente. Ça veut dire qu'on va vivre plus longtemps. Donc il faudra plus de budget pour les pensions, mais aussi pour les soins de santé. On sait qu'hélas, quand on vieillit, on a plus besoin de se soigner. La seule solution, c'est d'augmenter le taux d'emploi et de faire en sorte que grâce à une augmentation du taux d'emploi, on ait tous les moyens disponibles pour payer l'ensemble de ces éléments de la protection sociale. Et vous pouvez promettre, M. Magnet, aux travailleurs qui ont 30, 40 ans aujourd'hui, qu'ils ne devront pas travailler bien au-delà de 65 ans? Pour nous, il ne faut pas toucher à l'âge légal de la pension. On peut faire en sorte d'améliorer le taux d'emploi, mais le faire sans pénaliser. Dans les propositions de M. de Wever, il y a une proposition qui dit que quelqu'un qui prendrait sa pension avant 65 ans aurait un malus, perdrait une partie de sa pension. Un facteur qui aurait commencé à 20 ans, qui travaille pendant 40 ans, qui est épuisé, qui a le dos brisé d'avoir travaillé tout le temps, perdrait un quart de sa pension si on suit les propositions de la NVA. Het is wel zo dat u zegt, volwaardig pensioen pas op 65, na een carrière van 45 jaar. Om te beginnen gaan we nu gemiddeld op 59 jaar. En we hebben de kortste loopbaan van de hele Europese Unie. Wat wij zeggen is, en dat kan niet anders, dat is heel jammer, ik gun iedereen alles, maar je moet 45 jaar bijdrage hebben. Het equivalent van 45 jaar bijdrage voor een vol pensioen. Ga je vroeger, dan mag dat, maar dan krijg je de breuk. Wat je niet gewerkt hebt, dat krijg je uiteraard niet, want je leeft ook al die jaren langer, je zit ook langer in die pensioenkas. En ik zou dat liever allemaal niet doen, hoor. Maar hoe je die tsunami gaat opvangen, ik zou het niet weten. Ik hoor u altijd maar zeggen wat we moeten uitgeven. Vervolgens dat we jobs moeten creëren. Maar hoe je dat gaat doen? In de overheid jobs creëren, dat hebt u volop gedaan. In Henegouwen is dat fantastisch gelukt. Daar werken heel veel mensen voor de overheid. Ik kom le recommande toutes les organisations internationales. In uw provincie is er 40% jeugdwerkloosheid. Je suis conscient. Je connais les difficultés sociales dans ma province et j'y travaille. Dans votre ville, monsieur de Wever, entre 2009 et 2014, le chômage est passé de 12,6 à 16,4%. Vous devriez aussi vous intéresser et vous inquiéter des chômeurs de Flandre plutôt que systématiquement stigmatiser les Wallons. Vous êtes toujours contre. Vous êtes contre tout, contre le PS et contre la Wallonie. Défendez les gens. Ik kan alleen maar vaststellen, hè. Daar waar de PIS het grootste is, is de werkloosheid het hoogste en de armoede het hoogste. En u bent al 25 jaar aan de bak. 25 jaar. Monsieur de Wever, sur le chômage, on a parlé des pensions, parlons un peu du chômage. Vous voulez être plus sévère avec les chômeurs, limiter les allocations dans le temps. Mais qu'est-ce qu'on fait avec les chômeurs qui ne trouvent pas de travail malgré leurs efforts? Qu'est-ce qu'ils deviennent? Wat wij voorstellen is wat eigenlijk in heel de wereld bestaat. Want wij zijn het enige land met onbeperkte uitkeringen, wat de PS eigenlijk wil handhaven en terug invoeren. Dus als je gewerkt hebt en je valt zonder werk, krijg je 2 jaar een veel hogere werkloosheidsvergoeding van ons. 2 jaar lang. Je laatste loon ongeveer. Dan is er een jaar met een forfaitaire uitkering zoals vandaag. Je wordt volop geactiveerd. Heel veel stimuli om aan een job te geraken. Is het dan nog niet gelukt, na 3 jaar, dan ga je inderdaad uit de werkloosheid.
Als je behoeftig bent, dan kan je een leefloon aanvragen. Dat leefloon zal ook fors worden verhoogd tot het Europees minimum. Maar dan zullen wij gemeenschapsdienst vragen. Mm-hmm. In ons model is het eigenlijk het ideaal dat iedereen die kan werken, ook werkt. Goed. En dat is de enige manier om uit de crisis te komen. We gaan daar zo meteen over verder praten. Maar we hebben een getuigenis dat daar eigenlijk heel nauw bij aansluit. Want het gaat over meer mensen aan het werk krijgen. Mensen die nu niet werken. En zo iemand is Sandra. Ik ben Sandra. Ik ben 40 jaar en ben momenteel op zoek naar een nieuwe job. In 2007 heb ik een arbeidsongeval gehad. Ik ben aangereden door een wagen in mijn rug. En ik heb daar een blijvend letsel aan overgehouden. Ik heb lang moeten revalideren en ik wil nu terug aan de slag gaan. Maar het is heel moeilijk voor mij om met mijn rugklachten een geschikte job te vinden. Ik ben al veel te lang thuis. Ik ben nog maar 40 jaar. En ik voel dat ik veel meer capaciteiten heb dan gewoon thuis te blijven zitten. Ja. En Sandra is uiteraard ook hier bij ons vanavond. Sandra, je mag je vraag stellen. Goeiedag, meneer Magnet. Ik ben dus werkzoekende met een arbeidsbeperking. En ik maak mij een beetje zorgen. Als ik na 2 jaar nog geen werk vind, wat gaat er dan met mijn ziekteuitkeringen gebeuren? Moi, je comprends la détresse de Sandra, comme il y en a des milliers, des dizaines de milliers d'autres, et dans les trois régions du pays. Ce n'est pas contrairement à ce qu'essaye de faire croire M. De Wever, qui donne toujours cette image de la Wallonie fainéante, qui ne travaille pas, des chômeurs qui ne cherchent pas de travail. Nous ne faisons que cela, essayer d'aider les personnes à trouver du travail et les accompagner pour qu'ils s'insèrent dans la vie sociale. Et des personnes comme Sandra qui sont inquiètes aujourd'hui, vous leur faites peur, vous leur faites terriblement peur. Elle acquiesce, M. De Wever. Vous devriez vous retourner parce que Sandra acquiesce à ce que je dis. Vous leur faites peur parce que vous leur dites qu'au bout de 2 ans, eh bien, soit ils auront au CPAS, soit s'ils ont un conjoint qui travaille, parce que si madame a un conjoint qui est ouvrier et qui gagne 1300 euros par an, par mois, ils n'auront même pas droit au CPS. Ils n'auront plus rien. C'est une politique totalement antisociale. Ce qu'il faut faire, c'est aider les gens, pas les stigmatiser. Monsieur de Wever, est-ce que la NVA est un parti asocial? Ja, als je hem moet geloven, dan zal dat zeker waar zijn. Maar dat is niet wat wij voorstellen. Het is precies voor dit soort mensen dat we onze maatregelen moeten doorvoeren. Ik heb gezegd wie kan werken. Als er mensen zijn die om een reden niet kunnen werken, moeten we die veel beter verzorgen. Want onze uitkeringen zijn heel erg laag, omdat we zoveel geven. We geven het dubbel uit aan werkloosheid dan het Europees gemiddelde. Het dubbel. Het dubbel. Mm-hmm. Daar klopt iets niet. Er zijn in het land 100.000 mensen... 100.000 mensen, meneer Meijer. 100.000 mensen. Heren, u kan zo meteen... Ik wil heel even toch terug... Een beetje respectvol blijven. Ik wil heel even terug naar... Heren? Vous ne supportez pas qu'on vous interrompe. On voit bien, vous êtes très agacé dès qu'on vous interrompt. Heren, ik ga eerst even... Dat is ook een kwestie van respect. Ik ga heel even terug naar Sandra. Over respect gesproken, meneer De Wever. 14 minuten onderbreken. Mevrouw Sandra, meneer Mayet zegt, u hebt alle reden om bang te zijn van Bart De Wever en zijn beleid. Bent u bang voor een asociale N-VA? Oh, ja, het is ook een beetje financieel. Ook de vraag hoe dat dan voor mij gaat uitdraaien. Bang, ja. Ik zit daar wel een beetje mee gevrongen, ja. Omdat ik ondervind ook dat veel werkgevers een beetje... er negatief tegenover staan. Vous comprenez, monsieur de Wever, c'est cette image que vous donnez de... Nee, dat is het beeld. De partie très dure, avec les situations difficiles. Dat men van ons schetst, de dingen die wij voorstellen, die bestaan overal. En de landen waar men ze toepast, daar heeft het succes. Duitsland heeft een begrotingsoverschot, de werkloosheid daalt, die betalen nu schulden af, die zijn uit de problemen. En dan kan je mensen die het nodig hebben, veel beter helpen. Maar als iedereen altijd zegt asociaal en leugens vertelt over ons, ja, dan begrijp ik dat veel mensen bang worden. Dat begrijp ik. Het is geen mensonge, meneer De Wever. Ja, meneer De Wever, meneer Magnet. Je lis votre programme dans les détails. De feiten zijn wat ze zijn, natuurlijk. We hebben een mooie verjaardag gevierd. Nog maar een dag of 4 geleden, 9 mei, was uw partij 26 jaar onafgebroken aan de macht. En inderdaad, in Wallonië is 1 op de 3 jongeren werkloos. Doet de PS genoeg? Is dat geen grote verantwoordelijkheid om mensen aan het werk te krijgen? Ce n'est pas intellectuellement honnête de faire un lien comme celui que vous faites là. Dans la ville d'Anvers, je viens de le rappeler, le chômage a augmenté de 2009 à 2014 de 12,6 à 16,4%. Il a encore beaucoup augmenté régulièrement. Dire que on sait très bien que c'est un problème qui est lié à une crise industrielle, on sait très bien que c'est un problème qui est lié à des pôles industriels qui se sont profondément affaiblis. La question, c'est comment on répond, c'est comment on réagit. Moi, si je fais de la politique, M. Wouter, c'est pour ça. C'est parce que quand je vois qu'une société aussi riche a encore un taux de pauvreté comme celui-là, ça m'indigne. Quand je vois que dans une société comme celle-ci, des personnes comme Sandra sont
inquiètes parce qu'elles ne savent pas si demain elles ne vont pas se retrouver à la rue, je suis touché et ému. Et donc oui, je me bats pour qu'on puisse créer du travail. Et nous le faisons en Wallonie avec le plan Marshall et ça a du succès. Monsieur De River, même s'il coûte cher, notre système de sécurité sociale, de solidarité, ne fait-il pas de notre pays un des pays où il y a le moins d'inégalités? Ja, dat zou ik eigenlijk niet denken. Want de armoede is hier relatief hoog. En in Wallonië is die zeer hoog. Hè. 40% van de Waalse gezinnen kan geen uitgaven van 1000 euro. Vous parlez tout le temps de la Wallonie, mais il n'y a pas que la Wallonie. Il y a des situations difficiles en Flandre. Je moet het bilan van de peesstaat toch eens durven maken. Dat wij in Vlaanderen problemen hebben. Ja, dat er een verarming is in onze steden, zeker. Wij hebben ook een heel slecht migratiebeleid gevoerd. Dat hebt u vooral mee geïnstalleerd. Dat heeft niet veel bijgedragen. We hebben problemen. Maar het bilan van de peesstaat... On sait bien. Parmi toutes les choses que vous supportez pas, il y a aussi les étrangers. Wat heeft u gezegd? Vous êtes aussi contre les étrangers. Vous êtes en train de nous expliquer que le problème, ce sont les migrations. Kunnen we een minimum... Après les chômeurs, après les Wallons, après le PS, etc. Een minimum aan respect voor de waarheid in het wat bewaren, meneer Maillet. Wij zijn voor een Canadees migratiemodel. Wij zijn, als ik even mag, wij zijn absoluut pro-migratie. Actieve migratie. Maar als je natuurlijk 86% van de migranten komt via passieve kanalen, via gezinshereniging, gezinsvorming, asiel, dan gaat het niet goed. En de bevolking ziet dat in geen enkel land, als ik mag, in geen enkel land van de Europese Unie is de bevolking zo negatief over migratie, omdat er zo'n slecht migratiebeleid is gevoerd. En als er eindelijk wat verbetering is, nu, en uw parlementsleden beletten uitwijzingen op het vliegtuig, dan moet u er niet van schrikken dat Vlaanderen niet van de PS wil weten. Voilà. Un débat très animé, bien entendu. Nous allons enchaîner à passer une autre thématique et pour poser une question à Bart De Wever, nous accueillons Gilles de Limlet. Bonjour, je m'appelle Gilles, j'ai 36 ans. Je fais partie des Wallons qui travaillent en Flandre, dans Ramsruikok et le Vlot Nederlands. J'ai une grande passion dans la vie, c'est le vin. J'aime profiter de bonnes choses et vivre à 100%. Nous, les Belges, nous avons bien mangé et profité d'un bon verre. Malheureusement, tout le monde n'a pas la même chance de profiter des bonnes choses de la vie. C'est pourquoi je trouve très important que le gouvernement puisse aussi s'atteler aux personnes qui sont moins chanceuses. Les politiciens doivent mettre tout en œuvre pour que chacun puisse profiter des meilleures choses de la vie. Gilles, bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes donc du Brabant Wallon, mais vous travaillez en Flandre, on l'a entendu. Vous connaissez donc bien les deux parties du pays. Votre question à Bart De Wever. Bonsoir, monsieur De Wever. Dans votre programme, vous préconisez une diminution de la taxation sur les revenus à 40%. Alors, d'une part, comment allez-vous combler ce manque à gagner, puisque la KUL chiffre ce manque à gagner entre 800 et 900 millions d'euros. Et d'autre part, devons-nous craindre, en tant que citoyens, que la qualité des services publics qui sont rendus aussi bien en Flandre, à Bruxelles qu'en Wallonie, pourrait être aussi impactée? Ja, er is maar één antwoord op uw vraag. Dat is dat wij moeten besparen. En dat is mogelijk als je ziet dat de overheid hier nu 54% overheidsbeslag heeft. Dus alles wat wij op een jaar verdienen, 54% zit in de handen van de overheid. De tax-free day, de dag dat je voor jezelf begint te werken, na aftrek van je personenbelasting, je parafiscale belasting, je BTW, je accijns, dat is in oktober. In oktober beginnen we, als je gaat werken, voor jezelf te werken. Als het programma van de PS leest, dat binnenkort kerstmis. Maar zo kan je niet verder. En dus zal dat overheidsuitgaven moeten afgebouwd worden, precies om onze sociale welvaart te kunnen behouden. Meneer Maillet zegt dat hij dat allemaal niet wil, maar wat hij wel wil, dat heb ik eigenlijk nog niet gehoord, buiten tewerkstelling creëren. Ja, dat wil iedereen, maar niet aan de overheid. Het zal in de private markt moeten gebeuren en die tewerkstelling krimpt op dit moment. Ja. Meneer Maillet, Gilles zegt de N-VA wil gaan voor een grote belastingverlaging, vooral eigenlijk voor de hogere inkomens en voor de zeer lage inkomens. Ik ga er meteen aan toevoegen. Hoe staat u daar tegenover? Mais tout le monde est d'accord sur le fait qu'il faut revoir en profondeur notre fiscalité. On a commencé à le faire, d'ailleurs, sous ce gouvernement. On a commencé, je l'ai répété tout à l'heure, à donner un bonus et toutes les personnes qui travaillent vont gagner 300 euros de plus par an. Et dans le même temps, on transfère la fiscalité sur le capital. Il est normal que les gens qui ont de gros patrimoines, de très gros patrimoines, contribuent davantage. Nous demandons, comme d'ailleurs 80% des Belges, et c'est encore une fois, monsieur De Wever, la démonstration qu'il n'y a pas un modèle NVA et un modèle PS ou deux démocraties. Dans les enquêtes, 80% des Belges, autant en Flandre qu'à Bruxelles et en Wallonie, sont favorables au maintien de l'index et 80% des Belges sont favorables à un impôt sur la grosse fortune pour financer une baisse de la fiscalité sur le travail et permettre aux travailleurs d'avoir un salaire poche, un meilleur salaire poche. Gilles, que pensez-vous de ces échanges? Je pense que le manque à gagner de 800-900 millions,
est un gros montant et que je ne suis toujours pas convaincu comment, et je n'entends pas de proposition, comment va-t-on faire pour réellement le pouvoir l'assainir. Alors, on va taxer les plus riches, on va taxer les loyers, il va falloir trouver de l'argent. Qu'est-ce que vous allez faire, monsieur De Wever? Er zijn al heel veel belastingen in dit land, hè. Ook op kapitaal. We betalen successierechten, we betalen registratierechten. Als je dat allemaal gaat optellen, zijn we al de zesde van Europa met lasten op kapitaal. Je kan altijd zeggen, we hebben nog wel een citroen die we kunnen persen. Het feit is donc dat alles is uitgeperst. Donc vous trouvez pas normal qu'on aille chercher l'argent chez les plus fortunés? Ja, maar dat begint altijd bij de rijken en dat eindigt bij de middenklasse. En als u weet dat in dit land de laagste inkomens, die betalen 0,1% van de lasten op arbeid. 0,1. En de zogezegd 20% hoogste inkomens, maar dat zijn gewoon mensen die gaan werken. Hè? Twee verdieners die met twee gaan werken, die betalen, die 20% betaalt 50% van alle lasten op arbeid. En dat zijn zogezegd de grootverdieners waar men het dan altijd over heeft. Ja, nee, dat zijn de mensen waar we voor moeten opkomen. En het is indecent om mensen meer dan de helft van hun inkomen af te pakken met belastingen. U spreekt over echte vermogenstaks, dus over een miljonairstaks zoals in Frankrijk. Oui, il faut pas mélanger la fiscalité sur le travail et la fiscalité sur le capital. Sur la fiscalité sur le travail, nous sommes favorables aussi à une baisse. Nous disons, nous voulons à travers un bonus fiscal que toute personne qui travaille puisse gagner 120 euros en plus par mois. 160 pour un jeune, 210 pour quelqu'un qui est plus âgé, qui pourrait prendre sa retraite et qui ne la prend pas, contrairement au malus de M. De Wever. Nous voulons un bonus pour ceux qui continuent à travailler. Et ceci pour plus des deux tiers des gens, la grande quantité des gens, ceux qui ont des revenus modestes ou des revenus moyens. C'est ceux-là qu'il faut aider parce qu'ils le méritent et parce que ceux-là vont dépenser cet argent et c'est ça qui va apporter du carburant à notre économie et permettre justement de créer de l'emploi. Je le répète, les économistes du FMI, de l'OCDE, nos meilleurs économistes belges le disent tous, nous devons investir dans le pouvoir d'achat, c'est ça qui créera de la croissance et qui créera des emplois. Oui. We moeten er een beetje spoed achter zetten. Tenminste, we hebben nog een aantal thema's en een aantal hele belangrijke thema's te behandelen zo meteen. En laten we eens kijken naar de klok. Meneer De Wever, u hebt al de helft van uw spreektijd opgebruikt. Meneer Magnet, u hebt nog iets meer tijd over om zo meteen te gaan praten onder meer over de toekomst van ons land. Oui, il reste un peu plus de temps de parole à Paul Magnet. Nous avons parlé beaucoup d'économie, de solidarité, d'emploi. Dans la seconde partie de ce débat, nous en viendrons à l'image de la politique, l'image et l'avenir de notre pays. Restez avec nous, à tout de suite. On va dadelijk bij u terug. National le débat ce soir sur RTL TV et VTM. C'est un des événements de la campagne en vue des élections du 25 mai. Nous avons eu droit à des échanges dans la première partie très animée sur le socio-économique. Je pense que ça va continuer sur les autres thèmes qui nous restent à aborder, alors qu'il reste un peu plus de 11 minutes de temps de parole à Paul Magnet et un peu plus de 10 minutes à Bart De Wever. Ja, blijft dus nog behoorlijk wat spreektijd, iets meer voor Paul Magnet. Voor nog een paar hele pittige thema's. Het zal nog clashen, daar ben ik zeker van. Laten we het woord geven aan Lorenzo, want die heeft een boeiende vraag over, ja, onder meer over hoe het hier vanavond verloopt. Ik ben Lorenzo, ik ben 17 jaar en ik zit in mijn laatste jaar humane wetenschappen. Ik mag nog niet gaan stemmen, maar de politieke actualiteit die volg ik echt wel op de voet. Spijtig genoeg ben ik een uitzondering. De meeste van mijn leeftijdsgenoten zijn totaal niet geïnteresseerd in politiek. Ze vinden politiek saai en dat is bijzonder jammer, vind ik. Ik vind dat politici beter hun best moeten doen om jongeren enthousiast te maken. Ja. Lorenzo zelf, jij bent gelukkig al heel enthousiast bezig met politiek. Stel je vraag maar. Beste Paul, mijn vraag is naar u gericht. We zien dat de spatie tussen N-VA en de PS heel, heel groot is. Steven we nu terug af op 500 N-dagen onderhandelingen, met als gevolg dat er hier in België niks gebeurt en dat de jongeren hun geloof, als ze dat nog hebben, nog meer gaan verliezen in de politiek? D'abord, je me réjouis que vous vous intéressiez à la politique et qu'il y ait des jeunes qui s'intéressent à la politique. Parce que si on ne s'intéresse pas à la politique, c'est la politique qui s'intéresse à vous. Et il faut, en tant que citoyen, prendre son sort en main. Je voudrais aussi qu'on comprenne bien et qu'on fasse la différence. Nous sommes un parti qui veut trouver des solutions. Nous avons dû, en 2010, négocier avec la N-VA pendant 400 jours qui n'ont rien produit. Ensuite, nous avons, sans la N-VA,
négocié pendant 140 jours. Et en 140 jours, nous avons fait la scission de BHV, nous avons fait une réforme de l'État, nous avons trouvé une trajectoire d'assainissement budgétaire et nous avons lancé des réformes socio-économiques. Le NVA était le problème, nous étions du côté de la solution et nous restons du côté de la solution. Et c'est une différence très importante. Monsieur De Wever, est-ce que cette fois-ci, au lendemain du 25 mai, vous serez encore le problème ou vous serez la solution? Kijk eens, dat is altijd gemakkelijk te zeggen. Die is de schuld van alles. De feit is natuurlijk, in dit land zijn er niet alleen, is er niet alleen een grote spatie tussen ons, maar ook tussen wat de meerderheid in beide landsdelen wil. Die Vlaming wil al 20 jaar strikter migratie, sinds Zwarte Zondag 91. Dat was de eerste keer dat ik mocht gaan stemmen. We hebben daar meer dan 20 jaar op moeten wachten. Ja, dat kan natuurlijk niet. We willen al lang een justitiehervorming. We krijgen ze niet. We komen niet overeen tussen de twee gemeenschappen. We willen al langer een gezondheidsmaking met lagere belastingen. Het overheidsbeslag is alleen gestegen. Dat is de optelsom tussen die twee landsdelen. De Wallonië wil naar links gaan, als ik de peiling geloof, linkser dan ooit. Ja, Vlaanderen niet. Daarom zeggen wij met confederalisme, laat ieder zijn eigen weg gaan. Willen jullie naar links gaan? Ga. Maar laat ons dan toe onze keuzes te maken. Laat ons naar het confederalisme gaan. Waarom moeten wij elkaar altijd blijven blokkeren? Goed. En dan kan je zeggen, het is de schuld van de N-VA, maar u weet dat dat heel gemakkelijk is. Daar gaan we zo meteen over verder gaan. Lorenzo, kom heel even terug bij jou. Denk jij dat we, dat jouw generatie, dat de jongeren na nog eens een paar honderd dagen blokkering het helemaal zullen opgeven? Momenteel ben ik daar volledig van overtuigd. Zeker, Paul Magnet geeft niet echt een antwoord op mijn vraag. En Bart De Wever die wil de splitsing van het land. Met als gevolg dat geen enkele jongere nog geïnteresseerd gaat zijn in de politiek. En dat is waar dat jullie zorgen moeten om maken, deze verkiezingen. De jongeren, want wij zijn jullie toekomst. En wij betalen jullie pensioenen. Wij werken voor jullie later. En jullie vergeten ons gewoon te interesseren voor jullie politiek. C'est très fort ce que vient de dire Lorenzo. Je n'oublie pas, j'ai un fils qui a exactement votre âge. Exactement. Et qui va rentrer dans l'école supérieure l'année prochaine. C'est pour eux qu'on fait de la politique, évidemment. C'est pour nos enfants, c'est pour ceux qui vont nous succéder. C'est ça tout le sens de notre action. Mais quelle image les partis politiques donnent aux jeunes en bloquant les négociations pendant 400 jours, disant que c'est de la faute de l'un, de la faute de l'autre, en diabolisant? On ne peut pas mettre dans le même sac tout le monde. On ne peut pas mettre dans le même sac un parti nationaliste, séparatiste. Monsieur De Wever ne s'en cache pas. Il vient de le dire lui-même. Oh. Il veut scinder le pays et des partis qui cherchent des solutions. Monsieur De Wever fait toujours comme si le problème c'était que le Nord et le Sud. C'est le drame de notre pays depuis très longtemps. Mais est-ce qu'on peut comprendre l'exaspération des partis néerlandophones quand les francophones ne répondent jamais positivement à leurs demandes? Mais c'est totalement faux, monsieur Hollot. Il ne faut pas laisser dire ça. Toute l'histoire le montre. Qui a été la force qui a demandé que l'on régionalise les politiques de l'emploi? C'est le PS. Nous avions besoin d'une régionalisation. Qui a demandé qu'on crée la région bruxelloise? C'est le PS. Qui a demandé le refinancement de la région bruxelloise? C'est le PS. Nous avons toujours été favorables à un renforcement des régions, mais dans un cadre fédéral et avec une solidarité. Je pense que la solidarité entre les régions, elle est très importante. Waar het natuurlijk ook over gaat, en daar hebben heel veel mensen hebben daar vragen over gesteld, is natuurlijk ook, mensen haken af op de manier waarop jullie elkaar diaboliseren. Laat mij dat dan eens doorbreken. Ik geloof echt dat de PS het goed voor heeft in haar gemeenschap. De eerste zin, meneer De Wever, van uw verkiezingsprogramma gaat niet over u, maar gaat over de PS. Et toute la campagne, c'est le PS-model contre le NVA-model. Vous jouez à ça et vous fabriquez toute votre campagne autour de ça. Die diabolisering, daar hebben mensen een moeilijk mee. C'est d'ailleurs pour ça que je suis venu ce soir. Meneer De Wever, ça permettra de répondre. Ok. Ne soyez pas on vous écoute. Parle, monsieur De Wever. Je vous l'ai déjà dit, en démocratie, tout le monde a droit à la parole. Et j'ai encore 8 secondes d'avance sur vous. Ja, c'est vrai. Meneer De Wever. Ik ben blij dat je die hier aan hebt opgebruikt. En wel, ik wou nu net zeggen, ik geloof wel dat de PS het beste voor heeft met de mensen. Ik geloof dat elke politicus dat heeft. Alleen, wij verschillen ontzettend van idee. Wij zijn op alle cruciale thema's het niet eens. Dan moet je gewoon kijken in die twee democratieën. Wat is de meerderheidstendens? En die is erg verschillend. Wij zijn het enige land ter wereld waar die democratieën gesplitst zijn. Er zijn geen andere landen die die optelsom moeten maken. Overal bestaat er nog een, zelfs in federale landen, een federale democratie met partijen die overal opkomen, die dezelfde taal spreken, dezelfde krant lezen, dezelfde televisie. U hebt uw publieke opinie. Als die de PS geweldig vinden, u hebt uw aanhangers bij, wel, ik gun ze dat beleid. Maar dwing ons toch niet om dat beleid bij ons te voeren. Ik wil ook niet dat de Franstaligen het N-VA-beleid moeten ondergaan als ze dat niet wensen. Je peux vous poser une question, je bent beter een goede buur. Laat ons goede buren zijn. Si on est en deux démocraties et deux opinions publiques, pourquoi est-ce que vous venez débattre avec moi? Ça n'a aucun sens, de votre point de vue. Goeie vraag. Maar dat is nu zo'n goede vraag. Omdat wij zowel voor de Franstaligen als voor de Vlamingen altijd een schuiltoneel opvoeren. Wij doen debatten onder Vlamingen, jullie debatten onder Franstaligen. Maar daar ligt het probleem niet in dit land. Alle Vlaamse partijen zeggen, ja, we gaan moeten besparen.
Belastingen zijn veel te hoog. We gaan private jobcreatie. En dan kibbelen wij over details. Maar hier zit het probleem. Hier zit het probleem. En het is heel goed dat iedereen dat nu eens ziet. Dat de Franstaligen dat zien. Wat wil nu die grootste partij van Vlaanderen? En dat de Vlamingen zien wat u wenst. En die optelsom, je vous interrompre. Je vois chaque fois vous êtes fâché terriblement. Je n'ose pas vous interrompre. Monsieur de Wever. Si vous avez encore 1 minute 15 d'avant. Monsieur de Wever, pour revenir à cette intéressante remarque de Lorenzo, à l'image que le monde politique donne, vous avez dit vous-même ces derniers jours que la campagne était d'un niveau pas très élevé cette année. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment, vous-même, de contribuer à ça, peut-être d'agiter la menace de l'anti politisme en parlant par exemple des Wallons comme des junkies, en vous déguisant en panda, en disant que c'est de la faute de l'autre. Ah. Est-ce que vous n'avez pas l'impression d'alimenter ça? Dat beeld van die junkie komt van Waalse economen. Die hebben gezegd, als je altijd transfers krijgt, maar er verbetert nooit iets, dan lig je aan het infuus. Dat beeld heb ik daarvan overgenomen. Men maakt er altijd de grote belediging van. Ik heb dat echt zo niet bedoeld, hè. Mijn verontschuldigingen, als u dat zo hebt opgenomen. Maar het is natuurlijk een harde campagne, maar campagnes zijn altijd hard. Het gaat nu eindelijk eens ergens over. Dat vind ik wel goed. Het gaat over een fundamentele keuze campagne, voor de toekomst. De campagne is hard en er wordt inderdaad met modder gegooid. Jullie schelden elkaar uit voor de baarlijke duivel, als ik het een beetje mag overdrijven. Maar er is ook 26 mei en dan zijn jullie tot elkaar veroordeeld. Kunnen jullie ooit samen door een deur aan de tafel gaan zitten en onderhandelen over een regering? Je moet beginnen te begrijpen, à un moment donné, dans la campagne. Il reste une dizaine de jours, donc il n'est pas trop tard. C'est qu'il n'est pas tout seul. Vous faites comme si vous aviez déjà gagné. Vous faites comme si, quand vous parlez, c'est toute la Flandre qui parlait. Je vous rappelle qu'il y a en Flandre des partis de gauche, le SPA et Groen. Qu'il y a en Flandre un autre parti de droite, le VLD. Qu'il y a en Flandre un parti du centre, le CDNV. Qu'il y a donc une multitude de partis. Vous n'êtes pas le seul et vous n'êtes pas au centre du jeu. Et vous êtes très isolé sur beaucoup de sujets parce que ce programme antisocial vous met très loin d'une large sensibilité flamande qui est très proche de celle qu'on trouve ailleurs. En disant ça, est-ce que ça veut dire que vous ne voulez pas négocier avec Bart De Wever à partir du 26 mai? Je l'ai toujours dit. Nous avons été toujours parfaitement clairs là-dessus, contrairement à d'autres. Nous avons toujours dit, je ne me mettrai pas à table pour perdre encore 400 jours. Je ne me mettrai pas à table pour discuter de la fin de l'État ou de la fin de la sécurité sociale. Et si les résultats le rendent incontournable? Je veux dire, je ne veux pas avec la NVA. Vous disiez sur les différentes parties du pays tout à l'heure, M. De Wever dit, on est le seul pays qui... Mais c'est un pays formidable. Évidemment qu'on est différent. On est très différent, Wallons, Bruxellois, Flamands. Mais les Wallons n'aiment rien tant qu'à passer le week-end à la mer, les Flamands n'aiment rien tant qu'aller se promener dans les Ardennes. On partage ensemble toute une série d'attachements au football, au cyclisme, à la chanson et autres. Et nous sommes toujours parvenus. Et ce qui fait... Mais ne soyez pas agacés, je vous le répète, laissez-moi parler. Nous sommes toujours parvenus, malgré nos différences, à vivre ensemble. Et oui, ça, c'est un des pays uniques au monde. Nous sommes un des seuls pays au monde où on ne dit pas les gens qui sont semblables doivent vivre séparés. Les gens qui sont différents peuvent vivre ensemble. C'est la beauté et la grandeur de la Belgique. We gaan zo meteen over hoe mooi België is, de kust en de Ardennen, daar gaan we het zo meteen nog over hebben. Maar we laten toch nog even blijven bij die... We gaan het zo meteen nog hebben over hoe mooi België is en de kust en de Ardennen en alles wat daartussenin ligt. Maar laten we toch heel even blijven bij die 26e mei. Dan wil Bart De Wever graag zo snel mogelijk een Vlaamse regering hebben en dan met die Vlaamse regering met u komen praten. Hoe staat u daar tegenover? D'abord, première chose, moi j'ai toujours dit, nous voulons former tous les gouvernements le plus vite possible. On ne veut pas perdre de temps. Je ne veux pas reconnaître la paralysie que nous avons connue là. Mais la stratégie que donne M. De Wever, qui dit, d'abord je fais un gouvernement flamand, et ensuite on verra pour le fédéral. D'abord, M. De Wever, je vous rappelle un petit détail. Il y a une constitution en Belgique, et cette constitution dit que c'est le roi qui décide qui négocie et comment. Et vous n'êtes pas encore le roi de la Belgique. Donc vous devrez, de toute façon, accepter que le roi, sur base des résultats, décide comment on négocie. Et puis, à nouveau, c'est une stratégie, vous êtes d'ailleurs isolé, puisqu'à nouveau, le CDNV n'a pas voulu vous suivre dans cette stratégie. C'est une stratégie qui n'a qu'un but, c'est encore de paralyser et de bloquer la formation d'un gouvernement fédéral, parce que M. De Wever ne veut pas de gouvernement fédéral. M. De Wever, le front flamand, c'est une manière d'empêcher l'EPS d'être au pouvoir. Dictez vos Hij heeft juist, denk ik, de essentie gezegd. Hij heeft gezegd, er zijn in Vlaanderen ook linkse partijen. Ja, die hebben 25%, de rest is centrum tot rechts. Wallonië is net het omgekeerde. Het zijn alleen de Vlamingen die zo gek zijn van de meerderheidstendens in hun eigen democratie opzij te schuiven en met een minderheid met dat linksblok in Wallonië te gaan besturen. Ja, dat moet ophouden. De meerderheid in dit land heeft ook zijn rechten. Wat wij denken mag ook doorwegen in het beleid. Dat is waar de N-VA voor opkomt. En daarom zeggen wij, laat ons eerst in Vlaanderen partners zoeken. Ik heb nooit gezegd een Vlaamse regering maken. Ik zeg coalitiepartners kiezen en dan met die coalitiepartners naar het federale gaan. En daarop heeft Chris Peters gezegd, ja, als je het zo zegt, vind ik dat wel een interessant idee. Pas du tout. Dus we zullen zien. Debat, c'est parce qu'il a dit. Vous réécrivez les propos de M. Peters. Nee, hij heeft gezegd, niet eerst een Vlaamse regering, maar dat heb ik nooit voorgesteld.
snel een Vlaamse coalitie. We kunnen een Vlaamse regering maken op 2 weken. En u hebt gelijk, in België moet je wachten op de koning. Want de koning heeft bij ons nog altijd politieke macht. Ik feliciteer u dat hij dat soort royalisme van het ancien regime steunt. Wij doen dat alleszins niet. Het is tout simplement réaliste. Je respecte les règles constitutionnelles de mon pays, monsieur de Lever. Alors, on va arriver tout doucement dans la dernière ligne droite de ce débat national. On va continuer à parler, évidemment, de l'avenir de notre pays. Et du roi. Et du roi aussi, bien sûr, sur lequel je crois que vous avez des visions relativement opposées. Nous allons accueillir pour poser la dernière question venant du public, Christophe de Namur. Bonjour, je m'appelle Christophe, j'ai 44 ans et j'aime mon pays, je suis fier d'être belge. Nous sommes ici à la citadelle de Namur, un de mes endroits préférés dans le pays. Je trouve que tous les Belges devraient visiter au moins une fois dans leur vie cet endroit pour profiter au maximum de la vue spectaculaire. Wallons ou Flamands, nous devons être fiers de notre patrimoine, de notre culture et de notre pays. Tant la Flandre que la Wallonie ont leurs aspects positifs et négatifs, mais ce qui est important, c'est que unis, nous sommes forts et nous pouvons donner à notre pays le futur qu'il mérite. Bonsoir Christophe, c'est à vous, votre question. Bonjour. À Bardo Wever. Bonjour Monsieur de Wever, je suis un entrepreneur wallon et un entrepreneur inquiet. À deux titres, dans un premier temps, concernant la composition du gouvernement, vous avez, semble-t-il, décidé seul, je dirais, de l'évolution des négociations après les élections. N'allez-vous pas, par votre attitude de blocage des négociations sur le fédéral, tenter encore de prouver par l'absurde que ce pays est dans l'impossibilité de fonctionner? Deuxième point, nous sommes très inquiets de vous voir arriver éventuellement au poste de Premier ministre et de mettre en œuvre un de vos projets, qui est l'autonomie fiscale régionale. Si vous devenez Premier ministre, est-ce que vous allez en profiter immédiatement pour larguer la Wallonie et les Wallons? Nee, dat is helemaal niet de bedoeling. Ik denk dat Wallonië heel veel kan genieten van autonomie, dat ze daar heel veel kansen bij hebben. In de jaren 1980 kwam Elio de Roepen ook op voor confederalisme. Hij heeft er toen heel sterk voor gepleit. De opinie van de PS verandert een beetje naar wat het beste uitkomt. Maar ik denk dat dat regionalisme, dat dikwijls door de linkerzijde in Wallonië historisch is gevraagd... Pour une fois, vous le reconnaissez, ça fait du bien. Dat heb ik, meneer Mayet, ik weet niet wat u altijd leest van mij, maar ik heb nooit iets anders gezegd. Je me souviens du précédent débat dans lequel avait dit le PS ne veut jamais. Donc enfin, vous avez changé d'avis, vous avez relu l'histoire. C'est bien. Ja, ik heb gezegd nu. De laatste 10 jaar, depuis les années 80, 70, sinds 1993, is het heel moeilijk geworden, want we komen nu tot de essentie, de fiscaliteit, de sociale zekerheid, de echte hefbomen om welvaart te creëren. Denk ik, ik heb vertrouwen in Wallonië dat als ze dat hebben, dat ze daar heel goed mee aan de slag kunnen gaan. En dat er heel veel ambitie is om de zaak te verbeteren. Als je kijkt naar de loonvorming bijvoorbeeld, het feit dat die nationaal gebeurt, leidt ertoe dat Wallonië te hoge loonvorming heeft voor de economie die eronder ligt. En dat er enorme werkloosheid is en die krijgt hij niet opgelost. Ik heb meneer De Mot horen zeggen met het Marshallplan, ja, we zijn nu lang bezig, we hebben 5 miljard uitgegeven, de werkloosheid is nog gestegen, maar we hebben toch al een beetje een andere mindset over ondernemen. Ja, dan denk ik, zo gaan we er niet komen. Je zal toch eens bepaalde hervormingen moeten doen en autonomie is nu net eigen lot in handen nemen. En dat is die verantwoordelijkheid opnemen. Ik denk dat Wallonië daar harder van zal profiteren dan Vlaanderen. Ik ben er heilig van overtuigd. Ja, meneer Magnet. Is Wallonië, is de PS hoe dan ook nog bereid? Sorry, is de PS hoe dan ook nog bereid om stappen te zetten naar meer autonomie? En welke dan? Mais nous avons dit pas de réforme de l'État dans les années qui viennent, parce que clairement, il faut d'abord digérer cette 6e réforme de l'État qu'on vient de faire et faire en sorte que les régions les portent. Moi, je suis content de certains transferts. Je trouve que le fait qu'on ait transféré, par exemple, la politique de l'emploi aux régions est effectivement une très bonne chose pour la Wallonie. Nous allons pouvoir mettre à plat tout ce système très compliqué d'aide à l'emploi qui font que des jeunes vont auprès d'un employeur, on leur dit « Ah non, vous n'avez pas chômé pendant un an, donc je ne peux pas vous engager ». On va enfin avoir l'autonomie pour mener des politiques qui sont mieux adaptées aux besoins de la région et de la Wallonie. Je m'en réjouis. Mais ce que je ne veux pas mettre en cause, et c'est ça que je trouve dangereux dans le programme de la NVA, c'est que moi, je ne veux pas attaquer la sécurité sociale. Je ne veux pas que la solidarité entre les personnes soit mise en cause. Parce que quand on attaque la sécurité sociale, on attaque le bien-être de nos concitoyens et on remet en cause ce qui a été le cœur de notre Belgique. Vous savez, pendant 130 ans, c'est la Wallonie qui a été la région la plus riche de Belgique. Non, pendant 130 ans, c'est la Wallonie qui a été la région la plus riche de Belgique. Il
y a eu des dizaines de milliers, 500 000 Flamands qui sont venus vivre et travailler en Wallonie. Ils s'y sont installés, ils y ont fondé une famille, ils ont contribué à la prospérité collective et ensemble, nous avons construit la sécurité sociale. La sécurité sociale, c'est simplement dire celui qui est en bonne santé contribue pour celui qui est malade. Celui qui est jeune contribue pour celui qui est plus âgé. Celui qui est valide contribue pour celui qui est invalide. Celui qui a un emploi contribue pour celui qui, hélas, n'en a pas. C'est une solidarité entre les personnes et en faire constamment, comme le fait M. De Wever, une question nord-sud et une question de transfert, c'est vouloir tuer la solidarité entre les personnes et ça, c'est vouloir tuer la Belgique. On va poursuivre sur cette question, mais j'aimerais avoir l'avis de Christophe qui a posé une question à Bart De Wever. Est-ce que vous êtes satisfait de la réponse qui vous a été donnée? Écoutez, en fait, ce dont nous avons besoin, c'est d'un gouvernement très rapidement, car les réformes socio-économiques se font attendre, elles sont très urgentes pour nous. Donc, j'aimerais bien qu'on ne batte pas encore le record du monde, du pays, sans, du nombre de jours sans gouvernement dans ce pays. Mais vous restez inquiet après cette réponse? On reste très inquiet, bien sûr, oui. Eigenlijk, meneer De Wever, kom ik nu terug bij u. Want eigenlijk was de vraag, u wil alleen bewijzen dat dit land niet meer marcheert. Maar kom nu, allee, we raken de essentie. Als je de hoogste belastingen betaalt, hè, we hebben de hoogste belastingen sinds de Tweede Wereldoorlog, stel vast dat de overheid nog altijd veel geld tekort heeft. Hè. Moest Duitsland onze belasting heeft, hadden die 200 miljard over. Dus gigantisch. En we hebben nog 100% schuld. Je moet aan de Vlamingen blijven om, vragen om dat te blijven financieren. En heel veel transfers op te brengen. Maar je ziet dat er niks verandert. Dat er niks gebeurt. Dan gaat dat niet over solidariteit. En dan raak je de essentie in die onderhandelingen met de PS. Daar kwam het altijd op aan. Die liefde voor België is de liefde voor die transfers. En zegt u nu de liefde is... En wil die transfers houden? En zegt u nu de liefde is over? Wij willen solidariteit. En dat zat haaks op de transfers die je vandaag hebt. Je moet niet zeggen wat ik denk. Voor, maar als een gemeenschap aan een andere gemeenschap geeft, zoals alle landen in Europa, dans die aan elkaar geven... De l'État, nous avons accepté beaucoup plus de transfert de compétences. Nous avons accepté une autonomie financière parce que, justement, la Wallonie ne demande que ça. Comme Bruxelles, prendre en charge ses responsabilités, travailler, nous le faisons. Vous savez que nous créons des emplois. Le plan Marshall, on a déjà créé 45 000. C'est insuffisant. Je ne dis pas que tout va bien en Wallonie, je ne l'ai jamais dit. Mais nous travaillons et nous prenons nos responsabilités, contrairement à vous, qui, après avoir gagné les élections, n'avez toujours refusé de prendre vos responsabilités. Monsieur Neuver, est-ce que vous pensez que vous allez trouver des partenaires au sud du pays pour mener à bien votre politique? Ik wil over die solidariteit spreken, want die krijg die zin maar niet gezegd. Wij zijn er 100% voor. Wij vinden ook in Europa dat er transfers moeten zijn als je andere landen daarmee vooruit helpt. En dan moeten er voorwaarden gesteld worden. Ja, maar ik zal erop komen. Si, monsieur De Wever a répondu. Il a répondu dans le... Nee, maar het woord is nu aan meneer De Wever. Meneer De Wever, ga verder. Il y a encore 9 secondes d'invention. Allez-y, je ne vais pas vous interrompre. Je vois que vous ne supportez pas la contradiction. Donc je vais vous laisser répondre et je viendrai après. Pour aller au bout de vos idées, monsieur De Wever, il vous faudra des partenaires au sud. Pensez-vous pouvoir trouver des partenaires du côté francophone pour mener à bien vos idées? Uiteindelijk de kiezer over beslissen. Ik kan niet anders doen dan aan mijn gemeenschap een sterk mandaat te vragen. En ik denk dat men daar toch rekening mee zal moeten houden als dat gegeven wordt aan de overkant van het land. Als ik u heb horen zeggen in het vorige debat, een meerderheid in Vlaanderen, cela ne me regarde pas. Dat zijn uw letterlijke woorden. Dat is een ongelooflijke minachting voor de democratie. Als wij met meerderheid zijn... Mijn minuut telt af, hè. Ja. Als wij met meerderheid zijn, u hebt net erkend dat u op die solidariteit van die meerderheid... Als wij met de meerderheid zijn en u hebt net erkend dat u op de solidariteit van die meerderheid wil blijven rekenen, is dat niet het minimum dat die meerderheid ook democratisch vertegenwoordigd is in de regering? De PS zegt, cela ne me regarde pas. Laat ons met alle Franstalen in de regering blijven. Laat ons Di Rupo 2 maken en vooral verder gaan. Meneer Di Rupo heeft gisteren op het journaal gezegd, wij willen vooral verder doen. Zonder democratisch mandaat van de Vlamingen, die wel de facturen mogen betalen. Vous prêt à entendre, monsieur Magnier, ces communications? Je veux revenir là-dessus parce que c'est une légende que monsieur De Wever essaye d'installer. J'ai dit très clairement, et je le répète, nous sommes favorables à un gouvernement qui ait une majorité partout dans le pays. Nous sommes favorables à un gouvernement qui ait une majorité partout dans le pays. Je répète qu'en 2010, nous avons travaillé avec 8 partis et qu'il y avait une majorité, en ce compris dans le groupe linguistique flamand. C'est ensuite un parti flamand qui n'a pas voulu de Groen et d'Écolo, sans quoi il y avait une majorité. Mais ma préférence est effectivement un gouvernement qui ait une large légitimité partout dans le pays. Maar begrijpt u... Groen en Ecolo moeten nu ook nog bijkomen. Dan zijn we helemaal geschoren. Maar monsieur De Wever, c'est la démocratie. Ça ne vous plaît pas, mais en démocratie, si des partis gagnent les élections, ils ont le droit de faire partie d'une majorité. Democratie is niet iedereen die op elkaar schouders kruipt om de grootste buiten te houden. Dat is geen democratie.
Maar laten we heel even terugkomen nog bij die transfers of de solidariteit. Die heeft natuurlijk, er zijn grenzen natuurlijk aan de bereidheid tot solidariteit. En die grenzen, zegt u, die zijn bereikt. U zegt eigenlijk is de liefde over. Nee. Ik ben bereid om hetzelfde te betalen, nog 10 of 20 jaar lang. Maar dan wil ik het ook zien vooruitgaan. Dan moeten er voorwaarden worden gesteld. Vandaag is in heel Europa dat debat pertinent. Het belangrijkste debat waar we nu voor staan. Als Europa verder gaat, gaan we goede afspraken moeten maken. Je kan aan een Duitse kiezer ook niet blijven uitleggen dat hij met mediaan een kleiner vermogen dan een Cypriot toch geld moet blijven toesteken. Oui, mais, die Duitsers zeggen... Il y a des régions riches et des régions pauvres dans tous les pays d'Europe, dans toutes les parties d'Europe. Est-ce que vous voulez faire une Europe des riches et une Europe des pauvres? Nee, ook in Vlaanderen zijn er armere en rijkere regio's en zijn er transfers. En dat is goed, cohesiebeleid is goed, maar er moeten altijd voorwaarden zijn. En er moet altijd democratische correctie op zijn. Een van de grote problemen is dat we wel geld geven, maar dat we daar geen democratische controle op hebben. Je mag dat nooit doen, aan een politicus geld geven van kiezers die niet op hem kunnen stemmen, dat hij kan uitdelen aan kiezers die wel voor hem kunnen stemmen. Dat is het cliëntelisme die in Wallonië zit. Meneer Magnet, ik zou dat kunnen vertalen. Ik zou dat kunnen vertalen. In een uitspraak van... C'est difficile sur le plan personnel pour M. de Wever de parler de solidarité. Vous vous souvenez que quand le gouvernement Di Rupo a baissé les salaires des ministres et des parlementaires de 5%, vous avez été protesté au Parlement flamand. Mais... Vous n'acceptiez pas qu'on baisse votre salaire de sénateur de 5%. Scandale. Et vous avez exigé du Parlement flamand qu'il vous le remplace. C'est un fait et c'est établi. Mais je reviens au fond de la question. Le fond de la question, c'est que oui, nous acceptons plus d'autonomie. Oui, nous acceptons plus d'autonomie. C'est ce que nous avons fait dans la 6e réforme de l'État. Nous l'avons géré nos propres politiques, avec nos propres moyens. Et nous comprenons, bien sûr, qu'un jour, tout cela doit s'équilibrer. Et je vais vous le dire, moi, en tant que politique wallon et ayant vécu longtemps aussi à Bruxelles, je ne demande qu'une chose, c'est que le plus vite possible, il n'y ait plus ces transferts, même si je pense que la manière de les calculer n'est pas correcte, et qu'on ait le sentiment que la solidarité, elle est entre les personnes et qu'on arrête d'en faire un problème communautaire. Mais begrijpt-u dat op de grenzen van solidariteit botst? Als een Franstalig minister zegt dat hij glimlachend belastingen goedkeurt, als hij toch alleen de Vlamingen treft. Il y a une chose dont je ne suis pas responsable. C'est les déclarations de M. Renders. Je veux bien assumer beaucoup de choses, mais là, vous m'en demandez un petit peu trop. Dat is misschien inderdaad wat feit. Ik moet erop reageren dat van die 500 euro, ik heb u al 3 keer gevraagd voor een minimum aan respect. Het kan mij niet schelen dat ik 500 euro moet inleveren met plezier, 1000 euro als je wilt. Ik heb toen iets onlogisch, ja, dan moet u kan dat ook verifiëren. Ik heb dat onmiddellijk rechtgezet. 500 euro, dat interesseert me niet. Alleen is iets onlogisch als je dat van gemeenschapssenatoren afneemt, dat de ene meer of minder verdient dan de andere. Maar laat ons allemaal inleveren, wat mij betreft. Qua verrijking van politici en partijen, denk ik dat de N-VA van de PS geen lessen te leren heeft. On a évoqué dans ce débat le sentiment d'inquiétude croissant dans une large partie de la population. Que va-t-il advenir de la Belgique après les élections? Serez-vous capable de vous entendre? Vous dites qu'il faut laisser le choix à l'électeur, mais on sait bien qu'en toute logique, vous serez les deux partis dominants dans votre communauté. Est-ce que vous avez déjà imaginé des scénarios pour le lendemain du 25 mai? Stéphane vous a déjà posé la question. Alors, que faites-vous le 26 mai? Est-ce que vous vous appelez tous les deux? Est-ce que vous êtes capable de vous parler? Tu me caches, ne me... Non, c'est vrai, je n'ai pas le numéro de téléphone de M. Dewever. Vous n'avez pas le téléphone de M. Dewever. Je propose que vous donniez votre numéro de GSM à M. Magnet après ce débat. Dus le cas échéant, il kan hem bellen, hij kan mij niet bellen. Dus ik zie dat vindt u wel confortabel. Nee, maar je moet inderdaad afwachten. Ik weet niet welk mandaat de Vlaamse kiezer mij gaat geven. Als dat een sterk mandaat is, denk ik dat wij snel een coalitie in Vlaanderen kunnen maken. En dan sta je natuurlijk sterk, hè. Dan sta je sterk om die onderhandeling aan te gaan. Maar wat er van de overkant gaat komen, dat weet ik niet. Ik kijk naar de peilingen en ik ben zeer bezorgd. Als ik zie dat die PTB daar ook al naar 10% gaat, dan vraag ik me af hoe we die optelsom nog kunnen maken op den duur. Ja. Maar ja, het zal wel moeten en ik hoop, mijn hoop is zonder de PS te kunnen gaan. Ik zeg dat heel hopelijk. Vous n'allez pas vous appeler le 26 mai. Maar ik hoop dat ik zijn telefoonnummer niet nodig heb. Qu'est-ce que vous attendez du roi? Quel rôle le roi devra jouer selon vous pour essayer de que vous parliez ensemble? Wel, de koning is in dit land volgens de grondwet scheidsrechter, dus hij zal zijn consultaties doen, hij zal iemand aanduiden en die mag dan in het veld gaan. Zo zal het gaan. Maar dat is voor de galerij, want u wil ondertussen eigenlijk een Vlaamse regering vormen en daarmee dan echt onderhandelingen kunnen. Ik heb al 2 Vlaamse regeringen met succes onderhandeld. Dat duurt een paar weken. Op die tijd is de koning en de informateur zijn die nog niet rond federaal. Dat duurt gewoon veel langer. Dit is een ingewikkeld land, dat is altijd zo geweest. Dus je kan snel gaan, Vlaams. En nog voordat de koning en de informateur rond zijn, al een duidelijkheid hebben in het noorden. En dat, denk ik, is een goede situatie. Nee, maar u zegt ook, of u hebt ook gezegd, dat is eigenlijk voor ons al het confederalisme in de praktijk gezet. De gemeenschap die met elkaar onderhandelen. En de rol van de koning, ja, bon, dat maar democratisch, dekken we met mandel. Democratisch zijn we al een confederaal land. Er is geen Belgische democratie, dat kan ik ook niet helpen. Je zou dat misschien wensen, maar doe dan een fusie, hè, met de SPA of dien PS-lijsten in Vlaanderen. Niemand houdt u tegen. Werkt u eraan? Dat is heel goed. Dat vind ik heel goed. Ja. Meneer Magnet.
Mais moi, ce qui m'inquiète, effectivement, c'est la stratégie de la NVA. Parce que j'ai bien entendu, on voit bien que sur le fond, ce qu'ils veulent, c'est remettre en cause la sécurité sociale et c'est remettre en cause l'existence de l'État. D'ailleurs, je suis allé voir, je voulais vérifier, j'ai été prendre le test électoral du Nieuwsblad. On vous demande, est-ce qu'il faut ne pas scinder la sécurité sociale? Vous dites, pas du tout d'accord. Donc, vous voulez scinder la sécurité sociale. On vous demande, est-ce que l'économie... Ben voilà, au moins, c'est clair. Il dit, naturellement, M. De Wever le confirme, il veut scinder la sécurité sociale. On vous demande, est-ce que l'économie est plus importante qu'une nouvelle réforme de l'État? Vous dites, pas d'accord. Ça veut dire que vous trouvez qu'une nouvelle réforme de l'État est plus importante que l'économie. On vous demande, est-ce qu'une prochaine réforme de l'État est une top priorité? Vous dites, tout à fait d'accord. Ça veut dire que, quand vous prétendez, depuis des semaines et des mois, que dans le fond, votre programme est socio-économique, que vous avez mis le confédéralisme de côté, que vous ne voulez pas une réforme de l'État, que vous n'allez pas paralyser le pays. Vous avez deux discours, M. De Wever. Au moins deux, parce qu'il y a aussi tous ceux de vos acolytes. Et dans le fond, ce que vous voulez, c'est scinder la sécurité sociale et c'est mettre fin à l'existence de la Belgique. Et c'est pour ça qu'on peut être inquiet. C'est pour ça qu'on peut être inquiet d'une paralysie qui soit provoquée par un parti nationaliste et séparatiste qui ne veut qu'une chose, la fin de ce pays. Mais nous, nous battrons pour que les forces de progrès soient les plus puissantes possibles, qu'elles soient les plus fortes possible et qu'on puisse faire un gouvernement quel est votre objectif numéro un? Que répondez-vous à ça? Socio-économique? Socio-économique ou institutionnel? Quel est votre objectif numéro un? Wat is het belangrijkste? Waar gaat het om? Als ik ooit een woordvoerder zoek, ga ik hem ook niet bellen, denk ik. Ik kan zelf uitleggen wat ik bedoel. Het is een kwestie van strategie. Voor ons, is het sociaal-economische de topprioriteit. Daar kan je niet mee wachten. Maar we gaan nooit het institutionele laten vallen. Je zal altijd vanuit die meerderheid moeten zoeken hoe je dit land eindelijk structureel op orde kan zetten. Want wat ik niet wil, is wat men in de jaren 80 heeft gedaan, zware maatregelen. Bedoelt u nu dit land structureel op orde zetten of het netjes opdelen? Maar daar kom ik nu toe. In de jaren 80 heeft men sociaal-economisch zware maatregelen. De PS komt daarna terug. We moeten terug van nul beginnen. Dus je gaat nooit het sociaal-economische en het communautaire kunnen scheiden, want die zijn één. Dat zijn twee deuren, maar je komt op dezelfde living uit. Als je het land ooit definitief echt op orde wil, dan ga je sociaal-economisch snel moeten ingrijpen, maar op termijn ook naar het confederalisme moeten gaan. Daar ben ik heilig van overtuigd. Maar Van Saligen zeggen dat confederalisme dat is een rookgordijn, daarachter zit separatisme. Het is een kwestie van strategie en tempo. Wij willen zo snel mogelijk sociaal-economisch herstelregering, liefst zonder de PS. Maar wij gaan blijven nadenken en werken en partners zoeken voor dat confederale model dat men nu afwijst, zoals men het federalisme vroeger heeft afgewezen. Monsieur Manet, est-ce que vous avez l'impression que M. De Wever attend patiemment que les choses se dégradent pour mettre fin à la Belgique? Tout à fait. Je pense que c'est la seule intention de M. De Wever et depuis très longtemps. Et on le voit bien ici. On le voit bien ici parce que vous prétendez que le socio-économique est votre priorité, mais dans le fond, vous faites tout pour paralyser le pays. C'est pour ça qu'on est inquiet. Vous savez, en 2010, j'étais encore membre du gouvernement. Je représentais la Belgique un peu sur la scène étrangère. Partout, on me disait, mais ce parti nationaliste, comme en Écosse, comme au Pays Basque, comme dans d'autres pays, comme en Italie du Nord, est-ce qu'il met vraiment en péril l'existence de votre pays? À l'époque, les Belges, nous étions tous très inquiets. Il y avait des drapeaux aux fenêtres et personne ne savait comment l'histoire se terminerait. Les taux d'intérêt sur la dette étaient en train d'exploser parce que les observateurs internationaux s'inquiétaient de la situation politique dans notre pays. Des investisseurs disaient « Je ne vais pas investir en Belgique, c'est trop dangereux. » Il y a là un parti séparatiste qui écrit clairement dans ses statuts qu'il veut la fin du pays. Une minute, voilà ce qui est inquiétant. Maar is die gehechtheid aan België van de Franstaligen, die is heel emotioneel, dat hebben we al vaak gemerkt, ook in het filmpje daarnet. België is zo mooi, van de kust tot de Ardennen. Maar de vraag is, hebben de Franstaligen daar niet vooral belang bij het samenhouden van België? En is dat niet ook het verwijt dat u vooral krijgt? Maar c'est toute notre histoire, monsieur Wouters. Vous devez l'accepter, le comprendre comme ça. C'est toute notre histoire. Et je pense que ce n'est pas une question francophone, néerlandophone. Quand je me promène, je vois beaucoup de Flamands qui sont aussi très attachés. Je voyais encore un sondage chez des jeunes, pas plus tard qu'avant-hier, qui disait à 95% qui ne voulait pas de la fin de la Belgique. Quand on fait des sondages aussi dans la population flamande en général, au moins 75% disent qu'ils ne veulent pas de la fin de la Belgique. Monsieur De Wever voudrait imposer sa volonté, faire comme s'il était le seul. Mais Monsieur De Wever, vous n'êtes pas encore l'empereur des Flandres. Vous devez accepter qu'il y a d'autres partis et travailler avec eux. Meneer De Wever, het is waar dat ook de meeste Vlamingen absoluut vasthouden, gehecht zijn aan België. Dat is juist. En wij gaan ook geen revolutie prediken. Wij prediken een zachte evolutie die dit land al 100 jaar doormaakt. De echte separatist is degene die denkt dat hij kan en mag besturen zonder meerderheid in Vlaanderen. Dat is degene die echt denkt dat hij zijn wil kan opleggen. Dat is niet de N-VA. Dus is de inzet op 25 mei? De inzet is zo snel mogelijk een sociaal-economische regering, maar ook blijven werken om dit land eindelijk eens op orde te zetten. Ik vind het ook erg dat ik hier mijn tijd aan moet verspillen omdat het gekissen is. Merci, monsieur De Wever. Vous avez été quasiment
tout votre temps de parole. Paul Magnette, en guise de conclusion, après il y aura encore quelques questions supplémentaires pour tous les deux. Quel message voudriez-vous faire passer aux électeurs flamands à la veille de ce scrutin du 25 Je crois que ce soir, les masques sont parfaitement tombés et qu'on a vu parfaitement clair dans la stratégie de la NVA. Et donc, il reste quelques jours pour bien comprendre que le séparatisme est dangereux pour ce pays, qu'il est dangereux parce qu'il fait fuir les investisseurs, qu'il est dangereux parce qu'il va paralyser le pays. Parce qu'on a vu dans l'attitude de M. De Wever une fermeture, une dureté, du mépris même dans sa dernière réplique, et que ceci menace profondément la manière dont nous, paisiblement, nous arrivons néanmoins à vivre ensemble. Meneer De Wever, u heeft nog 2 seconden. De beschuldiging hier is, de maskers zijn gevallen. Deze man wil het einde van de sociale zekerheid en van België. Ik denk dat ik 1000 maskers moet dragen, want hij rukt die elke dag af. De tijd is om. Hartelijk dank. Pour conclure, des questions où il n'y aura pas d'autre choix que de répondre oui ou non. On n'acceptera aucune réponse. Il y aura 3 questions pour chacun d'entre vous. Juist. Alleen ja-nee-vragen nog. U moet antwoorden en het moet met ja of nee zijn. En wat gebeurt er als ik niet antwoord? U moet antwoorden, meneer De Wever. Alors l'électeur se fera son opinion. Ik ben nog niet de keizer van Vlaanderen. Nee, dat is waar. Maar u voorlopig toch ook niet. Nee, dat is waar. Goed. Ik wist ook niet dat we zouden evolueren naar een keizerrijk. Maar wat ik ga... Beter dan een koninkrijk. Goed, die eerste vraag voor u, ik ga ze u toch stellen. Ze is vandaag al een paar keer op tafel gekomen. Je hebt nog niet met ja of nee willen antwoorden. Nu wel. Is uw uiteindelijke doel België splitsen? Vlaanderen en Europa, daar denken wij aan. Ja of nee? Splitsen in die zin nee. Oui ou non? Ja of nee? In die zin nee. Wil u? Nee. Oké. Okay. U wil België niet splitsen. Meneer Magnette, ja of nee? Wallonië moet strenger optreden tegen mensen die niet willen werken. On accompagne les gens pour que... Ja of nee? Oui ou non? Dans ce sens-là, in die zin, nee. Dans ce sens-là, non. Nee, Wallonië moet niet strenger optreden. Si, mais on le fait. On le fait. Je ne veux pas laisser croire qu'on ne le fait pas. Bart De Wever, selon vous, la Belgique existera-t-elle encore en 2030? Ik ben madame Soleil, hè? Oui ou non? Hangt van de evolutie van Europa af. Oui ou non? Wat verwacht u, ja of nee? In een sterker Europa zou het kunnen van niet. Paul Magnette, le contexte pour négocier après le 25 mai vous semble-t-il pire que ce qu'il était en 2010? Non. Le même. Meneer De Wever, ja of nee, kunt u hoe dan ook ooit regeren met de PS? Dat is een goede vraag. Ja of nee? Met deze PS van vanavond, nee. Paul Magnette, dernière question, la même question qu'à monsieur De Wever, le PS est-il capable, acceptera-t-il de gouverner avec la NVA? Si c'est pour discuter de la fin de la Belgique et de la sécurité sociale, non. Messieurs, merci. Vous avez été très clairs. Merci d'avoir participé à ce débat. Heel erg dankjewel. Ik denk dat ook de slotronde heeft duidelijk gemaakt. Ik denk dat ook de slotronde heeft duidelijk gemaakt dat de kloof in dit debat in elk geval niet gedicht is. Ik weet ook niet of dat de bedoeling was van de heren hier rond de tafel. Ik wil u wel bedanken in elk geval voor het openhartige en scherpe debat over België en over onze welvaartsstaat. Merci également au public présent ce soir. Merci aux équipes de VTM et de RTL qui nous ont aidés à préparer ce débat. Et je vous invite, chers téléspectateurs de RTL TV, à nous rejoindre évidemment d'ici au 25 mai pour suivre toute l'actualité de la campagne et les résultats du 25 mai. Ja, ik wil natuurlijk ook Laurent Hulot bedanken en u allemaal bedanken om te kijken. Wij maken een nieuwe afspraak zaterdag voor het grote debat. Bonsoir.